qu'à dire. Abonne-toi à l'autre My Way, poteau. Eh bien, salut tout le monde, c'est Hipstar, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la On My Way. Donc tout simplement, c'est Hipstar qui est aux commandes aujourd'hui pour l'épisode 1 des tutos Paint Shop. Alors je sais que vous attendiez ça, ou peut-être pas tous, mais certains attendaient ça. Vu que le Paint Shop est une nouvelle fonctionnalité sur Call of Duty Black Ops 3, il est propre à Call of Duty Black Ops 3 et c'est vraiment un très bon mode. Tout simplement pour réaliser des camouflages stylés ou non. Et tout simplement, cette série va s'apparenter à différents Call of Duty. Alors par exemple, le camouflage d'aujourd'hui, c'est le camouflage Spectrum. Alors il était présent sur Call of Duty Ghost. Alors il était vraiment beau, mais je crois que c'était pour la précommande ou je sais pas, il y avait un code dans le jeu. Donc moi je l'avais eu sur Call of Duty Ghost et j'ai décidé de le réaliser sur Call of Duty Black Ops 3. Donc c'est très simple, il vous suffit de regarder la vidéo et après vous pouvez m'écouter parler aussi, hein, c'est pas, y a pas de souci. Donc tout simplement aussi avec les tutos Paint Shop, je vais organiser des top 5 meilleures créations Paint Shop de la communauté de la On My Way. Alors faudra que vous m'envoyez vos meilleures créations, vos meilleurs camouflages par mail. Alors vous m'envoyez à l'adresse mail qui est hipstartop5@gmail.com. Alors de toute façon l'adresse mail sera dans la description. Alors n'hésitez pas à m'envoyer, hein, c'est pour les vidéos de la On My Way. Et c'est pour interagir avec vous les abonnés de la On My Way, puisqu'on a dépassé le cap des 4500 abonnés en si peu de temps, en 4 mois. Franchement, on vous en remercie tous du fond du cœur. Toute la team vous remercie. Même si moi aussi je vous remercie, même si ça fait très peu de temps que je suis dans la team. Mais voilà, je vous en remercie. Je fais partie de la team pour le moment en tant que Paint Shopper. C'est bizarre comme poste alors qu'il y avait les commentateurs, les designers et les joueurs. Et moi, je fais partie des Paint Shoppers. Enfin, commentateur, Paint Shopper, enfin commentateur. En fait, je vais pas commenter d'autres vidéos que les Paint Shop et les top 5 Paint Shop. Donc franchement, ça fait quand même plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quel camouflage vous voudriez voir la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Franchement, c'est en fonction, parce qu'il me semble, si je reçois pas assez de camouflage par mail pour faire un top 5, ça sera reporté un petit peu plus tard. Donc je ne sais pas si c'est toutes les semaines un camouflage ou toutes les 2 semaines un camouflage. Bon, après, vous pouvez voter, vous me dites quel camouflage vous voudriez voir entre le camouflage cyborg ou le camouflage, je sais pas, peut-être Party Rock ou Pepsi. Enfin, n'hésitez pas à checker un petit peu les camouflages que vous pouvez voir. Par exemple, vous êtes sur Call of Duty Black Ops 3, vous voyez un camouflage et vous dites, oh lui il est trop stylé, tu pourras le faire en... Et vous me le dites par commentaire, je le ferai en 1 semaine en essayant de tenir ce timing. Et si je n'y arrive pas, vous aurez un autre camouflage à la place de celui-ci le temps que je le réalise. Donc voilà, cette série elle est propre à moi-même, même si je pourrais être accompagné de quelqu'un d'autre pour commenter. Voilà, je vais pas commenter tout seul tout le temps, je pense. Peut-être accompagné de Check Dacrou ou bien de d'autres commentateurs ou bien leaders ou bien joueurs de la team. Ça peut être marrant, ça peut être stylé, parce que commenter tout seul c'est bien, c'est drôle, tu parles tout seul, mais quand tu discutes avec quelqu'un d'autre par rapport à des paint shops, franchement c'est très bien et c'est très bénéfique. Et j'ai vu aussi que sur la vidéo de l'annonce de des paint shops, vous avez été très réactif, surtout dans le vote, enfin le vote où il y a eu je ne sais pas combien de votes, je crois une cinquantaine, où il y avait que deux personnes qui avaient voté non à cette série. Donc voilà, je suis désolé pour vous les gars, mais la série a été adoptée, voilà. Vu que la majorité des gens veulent voir cette série. Donc on avait le droit à top 5 camouflage et tuto. Je crois que c'est aux alentours de 80% et le reste, moins les 2% qui ne veulent, enfin les 2 personnes qui veulent pas. Et le reste qui veut séparer. Donc bon, au final on va faire les deux, même si, bon, moi ça me dérange vraiment pas du tout. Donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Le camouflage d'aujourd'hui, c'était le camouflage Spectrum, comme je vous l'ai dit. Suivez cette vidéo et vous y arriverez à coup sûr. Moi, je l'ai fait en très peu de temps. Enfin, je l'avais fait en plusieurs fois. Et après, je me suis entraîné à le faire le plus rapidement possible pour que ça fasse pas des vidéos trop longues. Donc sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis peace. Allez, bye et à la prochaine.